Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, on a eu une belle journée en général sur pratiquement tout le pays, excepté quelques pluies orageuses vers l'intérieur et également le Gard et le Tassili. Par contre, pour demain, eh bien, on aura un ciel généralement dégagé sur les régions côtières ouest et centre, dégagé à partiellement voilé sur les côtes est. Par contre, vers l'intérieur, on aura un ciel plus souvent voilé avec des foyers orageux qui peuvent engendrer quelques averses de pluie sur les régions intérieures ainsi que vers les Aurès. À noter aussi des vents assez forts près des côtes ouest et centre, pouvant atteindre les 60 à 70 km/h, avec toutefois quelques pluies aussi en fin de journée près des côtes centre-est, sur les régions intérieures aussi. La moitié sud, le ciel restera partiellement voilé sur le Nord Sahara, les oasis, le Gard et le Tassili, avec développement de foyers orageux sur le Nord Sahara, également vers Djanet, pouvant occasionner quelques pluies par endroit. Ailleurs, rien à signaler. Le soleil s'en donnera à cœur joie sur le sud-ouest, la Saoura, l'extrême sud, le Sahara central, également le Sahara oriental. Et à noter des soulèvements de sable, cette fois-ci, vers le sud-ouest, le Sahara central, le Nord Sahara et les oasis. Les températures durant cette nuit et au lever du jour, eh bien, elles seront comprises près des côtes entre 14 et 18 degrés et varieront entre 11 et 17 degrés vers les régions intérieures. Au sud, 22 degrés du côté de la Saoura, 23 le Nord Sahara, 20 degrés les oasis, le minimum. Cette fois-ci, vers Tindouf avec 17 degrés, entre 25 et 27 degrés au Sahara central, 26 le Gard et le Tassili, enfin 32 degrés vers l'extrême sud. La journée de demain, eh bien, les températures vont hausser par rapport à aujourd'hui. Et Météo Algérie a prévu 34 degrés du côté de Djelfa, 33 à Tizi Ouzou, 32 à Alger, 30 degrés à Oran, 31 à Tlemcen, 31 également vers Annaba, 32 à Constantine, 34 à Djelfa. Au sud, 37 degrés du côté de Bécha, 33 à Biskra, 38 à Gardaïa, 39 à Taman Rasset, Djanet, 38 degrés à Tindouf, 44 vers Insala, 45 degrés à Elizi et enfin 46 degrés le maximum toujours à Bouj, Beji Mokhtar et In Gazem. L'état de la mer pour demain. Eh bien, on aura une mer plutôt très agitée sur les côtes ouest de secteur sud-ouest, entre 40 et 50 km/h, entre 10 et 20 km/h sur les côtes centre, une mer peu agitée, plutôt calme sur les côtes est, entre 20 et 40 km/h, de secteur est à sud-est, avec une mer plutôt peu agitée aussi près des côtes est. On va voir maintenant les jours à venir. On aura enfin commencé par vendredi où le ciel se montrera partiellement voilé sur les régions de l'ouest, le centre également l'est du pays, avec toutefois quelques foyers orageux qui peuvent engendrer quelques pluies sur les régions intérieures ainsi que vers les Aurès. Au sud, rien à signaler. Le temps va être dégagé avec toutefois quelques orages sur l'extrême sud et des soulèvements de sable tout au long des frontières algéro-maliennes et des températures assez élevées vers l'extrême sud, entre 40 et 45 degrés. Pour samedi, pardon, eh bien on aura un ciel partiellement voilé sur les régions de l'ouest et le centre, mais plutôt dégagé à l'est également une grande partie des régions sahariennes, avec toujours des foyers orageux vers l'extrême sud et des soulèvements de sable tout au long des frontières algéro-maliennes, entre 22 et 26 degrés près des côtes, 30 à 34 degrés vers l'intérieur et le maximum 40 à 45 degrés vers l'extrême sud. Et on termine par dimanche où le ciel restera aussi partiellement voilé sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, avec toujours des foyers orageux isolés sur les régions intérieures ouest et centre, également l'est du pays. Un temps dégagé sur une grande partie des régions sahariennes, mais toutefois des orages vers l'extrême sud et des soulèvements de sable tout au long des frontières algéro-maliennes. Des températures qui varient entre 24 et 28 degrés près des côtes, 34 à 40 degrés au Nord Sahara et toujours 40 à 45 degrés vers l'extrême sud. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour demain, jeudi 11 juin, le soleil se lèvera vers 5h29 pour se coucher à 20h06. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente soirée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à demain.